Bundiali, capitale de la région de la Bagoué. Chants, danses et fanfares traduisent la liesse populaire autour du nouveau conseil municipal de la ville. Ces populations souhaitent voir Bundiali amorcer son développement. Le tout nouveau maire, conscient de l'immensité de sa tâche, compte mettre tous les acquis de son côté afin de relever le défi. La voirie, l'eau, ça fait partie de notre région, des réalités. Et le plus important, c'est qu'en tant qu'élu, en tant que cadre, nous puissions nous mobiliser pour trouver des solutions. Pour réussir sa mission, le maire peut compter également sur l'union sacrée des cadres de Bundiali, parmi lesquels le ministre Bruno Nabagné-Conné. Il n'y aura pas de développement sans union. C'est cela qu'il faut entendre. Et je suis heureux qu'à Bundiali, on l'ait compris. Nous souhaitons que toute la région de la Bagoué fonctionne de cette façon-là. Le ministre d'État, Amadou Gon-Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, tout en saluant l'union des cadres de Bundiali, a tenu à livrer un message du président de la République, Alassane Ouattara. Le président me dit de venir vous dire, en mai, ici, à Bundiali, il n'y aura plus de problème d'eau. Il m'a dit de vous dire aussi que vous avez parlé de la route Bundiali-Odilé. Alors le financement de cette route est acquis. La cérémonie s'est achevée par la remise des clés de deux écoles primaires. Des réalisations à mettre à l'actif de la nouvelle équipe municipale.